ce serait pour les petits cervelés, d'après mon quotidien mondain. Mais le cerveau de René Fallet avec celui d'Antoine Blondin, ça fait un mélange bien sympa. C'est pas de la sauce à l'eau de vaisselle, c'est le genre de repas qu'on vous sert pas dans l'Ibé aux pages culturelles. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. C'est gratos et ça fait pas de trou dans le budget ni la couche d'ozone. Et les cocus sont fiers comme tout, ici le plaisir c'est d'être en jaune. Ils sont venus d'aller à la ronde, allons pousser pas messieurs dames. Et c'est pour ça qu'il y a tout le monde pour voir passer la caravane. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. L'école de l'épine, la Darinette. En plus c'est bon pour la technique et ça fait progresser le progrès. Poilera l'aérodynamique, on peut se l'étudier de plus près. C'est presque mieux qu'au Castellet pour fignoler la Formule 1, quand Fignon finit de pédaler dans l'étape Fontainebleau-Melun. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. Ils ont des blazes salement gaulois, Robic, Mahé ou Cœur Bronnec. Et les Romains font pas la loi, on est quand même chez nous les mecs. On veut bien pour bas Montès, c'est un grimpeur qui a du mordant. Puis c'est pas bas à descendès, il mord la route en descendant. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. C'est du racisme convivial, le bourguignon contre l'armagnac. C'est la province originale, Marinelli contre Valcoviac. Puis les ritales qui se font pousser, sacré tricheur de macaroni. Mais celui qui gagne c'est un français, d'ailleurs il se nomme Geminiani. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. Quoi, c'est pas des intellectuels et qu'ils ont pas l'agrégation. Tiens, sont agrégés à l'appel à regarder la grègue, les mots. Et puis c'est de la sociologie, même que je l'ai lu dans Roland Barthes. Le pain sec c'est ma mythologie et moi j'attends que Ronan parte. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. Zut v'la poupou, la gueule par terre, entend chanter les petits oiseaux. Heureusement qu'il y a Yvette Horner avec son fratelli Crozio. Puis même en prime, Manicordi, on m'assure qu'elle est pas méchante. C'est moins branché que Françoise Hardy, mais au moins on entend ce qu'elle chante. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. Les trous du cul de Roland Garros, à côté c'est rien que des comiques. Ils ignorent la furonculose qui fait si mal où le mot l'indique. Tiens, y'a un belge qui a trouvé le trou, c'est les trucs à quoi faut faire gaffe. Et puis y'a ces suceurs de roues, pour un peu ce serait pornographe. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit, vu qu'il est mal rond ce polygone et bien mal foutu de surcroît. Le psy m'a dit, c'est névropathe, maté des mecs qui se crèvent le cul. Je lui dis, tais-toi petit bureaucrate, t'es remboursé par la sécu. Pendant que moi je grimpe l'école, à la télé même que je suis devant. Toi t'as pas de verre pour qu'on picole, tiens je me le fais tout seul mon divan. Tourner rond dans un hexagone, c'est pas aussi facile qu'on croit,
depuis qu'il est mal rond, ce polygone est bien mal foutu de surcroît.